la dépend totalement de cet esprit qui va utiliser d'une façon extraordinaire pour dire ça que nous dit Seigneur. Et le cas dit ça pas même en sert de penser pour le dire parce que cet esprit a utilisé en façon extraordinaire. C'est comme ça que nous prions. C'est parce que nous avons nous mérite, mais nous prions, mais nous prions toi Jésus-Christ, lui-même qui a vu, qui a prié au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons l'honneur pour nous recevoir l'évangéliste Luna Mouzou qui passait de présentation parce qu'il a l'habitude de prêcher dans la chapelle là déjà. Mais vrai, pendant qu'il a prévu, nous avons applaudi cet esprit de Dieu dans la vie. La paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Et c'est toujours un plaisir que mon Dieu fait nous. À chaque fois, nous avons une occasion pour nous capables de manger, partager ensemble la parole de Dieu. Et il y a un peu de monde qui n'a pas gagné l'opportunité ça. Et il y a un monde qui a gagné l'hôpital tombé. Je ne pas jouir de l'occasion ça. Mais nous-mêmes, à chaque moment, nous avons le privilège ça. Il faut que nous disions bon Dieu merci. Et nous connaissons en tant que chrétiens, nous engagés dans la guerre. Nous pas engagés dans une guerre côté nous besoin armés nous de mitrailleuses. Bien d'autres armes lourdes pour nous combattre. Et en tant que soldats, eh bien nous enrôler dans l'armée Christ. Même Jean-Pasteur Adaptili, nous en opposition avec la force du ténèbre. Ça veut dire que moi-même avec vous, à chaque instant, nous avons bien pour nous faire face avec adversaire sous champ de bataille, dans des combats, parfois des combats sanglants, des combats difficiles. Mais nous avons besoin d'armer nous davantage pour nous capables et bien combattre avec adversaire par moyen la puissance de Dieu. Mais bien aimé, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la bataille, quel qu'il en soit sur le plan physique, ou bien sur le plan spirituel, gagnons ensemble de paramètres que vous avez besoin de maîtriser, qui aider pour capable de lutter, pour capable de combattre. Parce que quand on dit un soldat, ça veut dire en pile bagaille. Eh bien, maintenant, dans un petit bout de temps, nous gagnons, nous allons regarder ensemble avec vous. Il y a un élément qui est important et en pile pour nous-mêmes en tant que soldats de Jésus-Christ qui est engagé dans le combat avec l'adversaire pour nous capables d'avancer. Nous ouvrons la Bible nous ensemble avec moi dans Pierre chapitre 5. Nous allons lire seulement verset 8 là pour nous capables d'économiser le temps. 1 Pierre et 5e chapitre, 8e verset. N'appelez-vous comme ça, vous êtes capable de suivre. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, bénisse cette portion de l'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Sujet nous, c'est n'a veiller, n'a combattre. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on défait la Bible, on voit un pile mot ou bien expression qui traduit eh bien, la question de vigilance. Il y a des mots pour veiller. Veiller, il traduit la vigilance. Ou qu'on a traversé la vie là, et puis. Et il y a qui dit veillez, oui, vous traverser la rue. Ou bien vous parlez en bas là, veillez, oui, en bas chaud. Ça montre que faut vous vigilant.
Il y a d'autres mots tout qui dit prenez garde. Mando pour faire attention en tant que soldat. Et tant d'autres mots encore viennent à travers la Bible pour mettre les chrétiens en haleine. Parce que nous n'avons combat. Dictionnaire définit vigilance comme la qualité de celui qui veille avec beaucoup de soin à ce qu'il doit faire. En tant que soldat, nous avons pile bagaille pour nous faire. Nous avons pile bagaille pour nous faire. Et c'est pas sans raison, Jésus-Christ même lui fait une déclaration, il dit veillez, priez. Il dit nous veillez. Mais bien aimé, zami captant de nous matin, même Jean l'apôtre Pierre, il a dit avec les chrétiens qui étaient éparpillés à cause des persécutions dans toute Asie mineure, là, dans l'époque par là, pour te pratiquer la vigilance. Parce que yo gagné un adversaire qui c'est le diable, Satan, et ses acolytes qui a rôdé autour de eux-mêmes. Et là, on va regarder la définition du verbe rôder. Ou après que c'est faire vivre, eh bien, une cible, eh bien, sans les lâcher. Ça veut dire que diable a surveillé nous matin, midi, soir, la veille brèche. Et depuis le joint brèche là, la rentrée pour causer des dégâts dans la vie. Nous. Et c'est ça qui fait l'apôtre Pierre. Les dix chrétiens, il faut veiller, il faut être attentif pour que l'ennemi, l'adversaire, ne fasse pas faire voile sur eux. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus-Christ n'a pas une illustration sur la question de la vigilance dans la parabole des 10 vierges. Côté que Jésus a montré que, eh bien, tu as gagné 10 eh bien, vierges. Qui t'attend et pour rentrer dans la salle de l'os. Mais, malheureusement, pour ces là-dedans, ils n'ont pas vigilant. Et ils te prend l'huile seulement, pourtant, ils ont bien plus passé. Mais ils n'ont pas mettre dans la tête et pour aller capable de prendre l'état pour venir. Ils n'ont pas fait assez de provisions pour ça. Et malheureusement pour eux, et pour aller retarder vrai. Et dans l'état, et pour apprendre, c'est dans la vieille saillot qui n'a pas fait assez de provisions dans l'opion, eh bien, tu es venu en difficulté pour gagner les ressources pour faire éclairage. Et ils t'ont demandé l'autre pour l'autre t'a partagé avec eux. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu besoin. Au contraire, ils ont conseillé pour aller acheter dans le voisinage. Et c'est alors qu'ils ont sorti à acheter l'huile pour mettre dans l'ampion et pour aller venir pendant l'abstention. Et là, ils ont retourné, ils ont frappé dans la porte là pour être capable d'ouvrir pour rentrer dans la salle de l'os là. Mais malheureusement, ils n'ont pas ouvert pour eux. Ils ont raté l'occasion. Vous connaissez mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a plus de monde qui t'a marché avec Christ dans un temps. Mais arrivé dans un moment, en pile là-dedans, il y a déserté. Dans pile là-dedans, il qui perdu ou là. Dans pile là-dedans, pour une cause ou bien une autre, eh bien, il n'y a pas de chance pour rentrer dans le royaume Christ à vrai. Parce que il n'y a pas resté dans la ligne. Non. Et Jésus-Christ à plusieurs reprises, il dit c'est pas tout le monde qui a brûlé, mais tu as des chances pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, des bagailles avec vous nous capables de perdre si toutefois nous pas vigilants en tant que soldats. Des combats nous capables de perdre par manque de vigilance. Et c'est pas ça la raison Bible à mettre prise. Ou bien il a demandé aux chrétiens, il a demandé l'église pour l'église d'être vigilant, pour l'église d'être veillatif. Parce que l'église là, il est en combat. Il n'est pas dans le combat en face.
face nous égaré. Il n'est pas dans le combat en face nous bekeke. Il est en combat et bien en face Satan le diable qui fait classe lui en l'air. C'est pas un imbécile Satan. C'est un ennemi et très rusé. Ça qui fait, moi-même avec vous, si nous ne pas arrêter mes sous gâchette, eh bien, Elmian, là-bas, nous en pile coup. Nous engager dans la bataille. Nous engager dans le combat. Nous besoin vigilant. Il faut qu'on fasse preuve de la vigilance. Même Jean-Jésus-Christ, il a dit dans l'Apocalypse, avec eh bien, l'église des Sardes. Il dit l'église des Sardes, malgré moi, je suis en pile dans nous. Moi, l'église la prend pause du vivant. Mais moi-même, moi, ouais, l'église, c'est l'église qui mourit. Mais il y a quelques gens dans nous qui sont encore vivants. Mais qui sont prêts pour mourir tout. Il dit, sois vigilant. Renforcez ça qui sont prêts pour mourir. Pour capable de conserver la vie qui est dans nous. En réalité, vigilance a une importance capitale pour nous-mêmes en tant que chrétiens. Dans la vie spirituelle, nous. Et même dans la vie physique, là. L'imander pour, ou même en tant que l'homme, pour vigilant. Dans la vie physique, là, oui, l'imander pour vigilant. Si on traverse la rue, là, ou qu'on est là, machine à monter les sons, il va à sens unique. Machine à sauter dans l'ouest, machine à sauter dans la direction sud. Si on traverse, on va contrôler les débords. Pour est-ce que deux bords ne sont pas occupés? Parfois, on veut traverser, bon, l'ouest est occupé, bon, sud de la vie. Mais on ne peut pas traverser. On va prendre tout des bords vite pour traverser. Si on traverse sans garder, il y a une pile chance pour la machine frapper ou bien pour l'autre véhicule frapper ou pour faire accident. Parce que on n'est pas vigilant. Eh bien, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous demandons pour nous, pratiquer la vigilance. Est-ce qu'on te connaît, mes bien-aimés, mes frères et sœurs? Gardez qu'on prend, c'est un manque de vigilance. Gardez pour ça l'ennemi en bas nous, c'est un manque de vigilance. Gardez quoi t'es ennemi en pile pied nous. C'est pas parce que ennemi est le champion ou bien plus fort parce que bon Dieu, mais c'est parce que nous-mêmes avec les soldats qui bataille nous manquons vigilance. Et puisque nous manquons vigilance, maintenant ennemi en libourade nous là, nous prenons quoi? Et parfois, quoi, ils ont fait, ils ont tué, ils ont même porté des amertumes. Parfois, ils ont même quitté des cicatrices sous nous, dans l'esprit, nous. Par manque de vigilance. Et là où ces soldats l'ont veillé, ils ont fréquenté. On va fréquenter elle parce qu'elle va veiller. Il y a des espaces, il y a des lieux par la donne. C'est la vigilance. Il faut que je prie dans parce que je suis dans le combat. Il y a des lieux mieux dans une heure. Si on dit un bagage sous moi, pas de l'autre calavère. Parce que la zone ça, lieu ça, je ne suis pas supposé là dans le rue, dans le ça. Ça y a dit des moyens, l'absemble à même. Et la jeté discrédité sous l'église là. Parce que lorsque les soldats ont engagé dans le corps, ou pas de bataille pour quoi? Gen des bagailles, et bien, ou qui, gen des discrédits tombés sous vous, les affecter corps à tout. Parce que nos corps engagés dans le corps, sont soldats. Eh bien, nous-mêmes, en tant que chrétiens, il faut que nous fassions preuve de vigilance. Il faut que nous veillions. Même Jean l'apôtre Pierre, il a conseillé les chrétiens qui étaient pas pillés dans la zone Asie mineure, dans la période, toute période de persécution, pour veiller. Parce que l'adversaire, il n'a pas dormi lui-même. Mais bien aimé, mes frères et sœurs dans le Seigneur, en tant que chrétiens,
Là où veiller du côté même manger ou pas manger là. Et pas parce qu'on pas grand pour nous. Mais on vigile. Vigilant. On fait preuve de vigilance. Parce qu'on a un adversaire qui a veillé ou un ennemi qui a suivi et qui a tant des occasions maintenant pour que lui fait coup sous. Des bagailles, on va mettre pio là-dedans. Attaquez mon ou te calme là-dedans. M'attaquez soldat dans le Seigneur. Eh bien, vous venez gagner des restrictions pour elle là. En tant que soldat. Et que bagaille la fête, même le nom de Dieu a cité là, on va aller là ou même. Parce que c'est pas laisse que le nom de Dieu a cité, il fait bon Dieu là. En pile côté, le nom de Dieu a cité, mais bon Dieu pas là. Ma problème, pendant que et de faire commencer le ministère de prédication. Et puis mal prêcher dans l'espace. Mais la ville qu'on aime pas de aller. Pas de aller là. Dans mon jeune action de grâce. Mais mal dans l'innocence, moi. Son groupe d'église là, un groupe d'âmes qui traînent. Ils traînent, ils mènent à la veine. Je ne sais pas si vous connaissez ce qui est passé, si vous connaissez. Il y a la veine. Et moi-même, dans le sens, je me traîne aux amis à la veine. Et c'est comme bon Dieu, son bon Dieu, les gracieux. En pile fois, je vais te bon Dieu, si vous êtes punis nous avec sévérité. Mais dans la grâce, il y a compassion pour nous. Maintenant, les mêmes frères et sœurs, dans l'activité après, tout le bagage est passé. Mon Dieu est pour parler, parler. Mais pas de monde qui compte rien. Par contre, si vous avez mis dans mes dames, vous avez été con. Et, dames qui invitent dans l'activité, c'est bon, dames, vous connaissez trop bien vrai. Vous connaissez dans la rue. Je ne vois l'église. Même pas qu'on va et vient, pas qu'on monte des sangs. Pas qu'on n'a rien de la vie privée. L'invité, mon Dieu, nous action de grâce. Pour qui ça? Pour dire bon Dieu merci. Parce que bon Dieu, bel caille. Bon, belle caille, belle maison. Qui est taille sous lui. Et d'autant plus, lui dit bon Dieu, permette de voyager. Parce que l'objectif là, mauvais là, jusqu'à présent, pas grand. Mais ça cache dans le bagaille là, c'est l'ingâté bagaille là. Et comment dame ça fait une belle caille ça? C'est là le problème, non, pas le commencer. Dame n'a pas le tout bagaille ça, yo. C'est foyer ou moun écrasé. C'est Marie, une dame mariée, elle prend. Et c'est Marie qui a fait tout le bagage pour lui. Mais elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça, elle n'a pas dit ça. Pas dit ça. Et comme elle n'a pas dit ça, moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour moi-même, je connais maintenant, j'ai nos propres. Pourtant, je n'ai jamais fait ça. Mais c'est après, bagaille à quelques jours passés. Moi, je ne connais pas dame ça qui fait activité ça. Mais mode de vie d'amna. Son voleur Marie Mounlié. Et puis l'affaire son de grâce sous ça. Maquillé bail. On va prendre précaution en pire à mon église. Mon église fond dans le maquillage. Si on maquille un bagaille par là, il va être difficile pour elle. Il y a un sac chabou, un drapeur, un sac lolier.
Mais la pluie acide, celle-là, elle est tombée sous le drap blanc. La crevé ni drap, ni sac là. Et là, ça, tout le monde a pris son sac charbonné. Eh bien, quand je viens comme ça, mon cher, mon ami, nous regrette. Nous sommes présents dans l'espace, ça, dans le lieu, ça, dans l'activité. Ça. Nous pas de là. Parce que bon Dieu, il ne va jamais mettre grâce sous grâce. Ou gaffe, ou gaffe. Pas fourré bon Dieu à donner. Parce qu'on connaît bon Dieu comment le marché. Bon Dieu marche dans votre doigt. Bon Dieu va gagner en bataille. Debout et bagaille en bataille. C'est pas être fait en bataille. Bon Dieu va la donner. C'est l'homme qui a fait les affaires. Mais très souvent, l'homme n'a pas les affaires. Il faut non bon Dieu la donne. Ou bien mettre un slogan biblique là-dedans. Nous avons parlé à un cousin. Nous avons parlé à faire l'évangile. Et tu as servi lui-même. Les gens machinent faire trafic. Les marqués machinent ont un slogan biblique. Les gens, comment machine nous faire un slogan biblique? Là-dedans, nous ne pas comprendre ces chrétiens. Tu dis, mais c'est là, on ne pas comprendre, non? Il dit, ouais, machine ça, nous avons machiné. Missionnaire, même monter comme ça. Nous avons si nous marqué un slogan diable là-dedans, il n'y a pas de monter. Il dit parce qu'il y a des slogans bibliques là, tout le monde monte là. Nous avons maintenant un diable, il n'y a pas de problème pour monter. L'église à l'activité, c'est machine ça, il y a un peu de côté. Vous comprenez? Mais même ça, il y a un peu de manger en pile. Ça veut dire qu'il cache machine là, derrière le slogan de Dieu. Et puis après des affaires en bataille, en bas même. Mais bien aimé, il m'a dit pour nous vigilants, en tant que chrétiens. La bataille sur nos terres qui minait, qui piégeait. Eh bien, si nous pas arrêté vigilants, il m'y a banni un pire coup. Satan, le diable, adversaire, hein, qui risait en pile. En tant que soldat, c'est vrai. N'a pas grand goût sur le champ de bataille là. Mais soldat, pas qu'à saf. Ou pas qu'à soldat pour avoir. Dès que soldat ou saf pour avoir, ou pas qu'à bataille encore. Et ni à prendre, ou pas la veille. N'a rien à manger, ou pas la veille. Il y a beaucoup. Ou besoin de faire preuve de combattants. En tant que soldat de Dieu. Mais bien aimé, mes frères et sœurs, n'a veillé, n'a été vigilant, n'a parole nous, ça n'a dit. En tant que soldat, ça va dire, il faut qu'on fasse prudence la donne. Voltaire qui chantait, il dit toute parole nous doit être sincère. Il dit conscience nous doit être claire. Il dit bon Dieu, ouais, tout ça n'a fait. Elle compte toute pensée dans tout cœur. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, parole moi doit être sincère. Je ne vais pas dire que je vais bouche, pourtant, d'homme, son autre bagage qui dit. Il faut que je sois sincère dans la parole moi, en tant que chrétien, parce que je vais pratiquer la vigilance. En tant que chrétien, il faut que je veille déplacement. Qui côté m'a déplacé? Tout ça fait partie des stratégies dans le combat. Et là, pour elle, il y a encore. C'est un scandale ou la foule là-dedans. Depuis le fou, un scandale là. Et puis ça vient affecter moral. Et puis, il y a le bataille avec vous. Ou pas qu'à prier encore. Ou pas qu'à chanter des cantiques encore. La fête est morale. Et puis qu'on y a la bataille avec vous. Et ça fait, il faut qu'on veille déplacement. En tant que combattant, en tant que soldat. Veillez fréquentation. Qui les soit fréquenté. La Bible a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant, il y a 12 amis, pas 14 amis.
Mais la Bible qui c'est pour soi nous, il dit, zombie gâte zombie. Bon, le texte dans le proverbe qui dit, même j'en fais là, l'église fait là, c'est pour ça l'homme non, il y a influence sur le comportement de l'homme pareil. Il y a aucun monde qui a tout le monde, pas gâter le monde. Les apôtres arrivent. Un proverbe haïtien dit, jour fait là, tomber dans l'eau, bah, jour en couche. Faut qu'on veille qui laisse ou à fréquenter. Ou ces jeunes filles, ou voulez qu'elle ait dignité ou pas voulez rentrer dans la question de relation sentimentale avant l'heure, faut qu'on fasse bons amis. Des hommes nous font chercher ménage pour vous. Des hommes nous font imposer au ménage. Des activités nous parlent dans le commun, il y a marché en ménage pour vous. Fréquentation. On dans l'église là tout. Il y a des gens qui l'église là tout va fréquenter nous. Et dans l'église là, la dimension soit l'éternel ensemble va pas fréquenter. Parce que lui-même sont gauche pour. Mais ou même ou mari à mari ou, nous contentons nous de ça gagner. Mais lui-même lui va dire ou, oh, on va pour ça dans mes têtes, ou pas faire une caille là-bas ou mettre la vie pour pas où. On a un caïla. Qu'est-ce que ça nous caïla? Faites lâcher ça nous met dans caïla là-bas où? Et pourtant, Maria, on ne connaît pas l'opportunité pour faire bagaille ça et pour le moment. Ma économie n'est pas permettre. Et puis, non, jouer dans ta tête, quand on vient pas Maria pression, quand il y a là, ça vient déboucher sur des conflits dans caïla. Et capable de craser le foyer. On a mis fait ça, oui. Faut qu'on veille, frère. Faut qu'on veille. Gen moun nou ka adore ensemble avec, mais pas qu'à 100 000. La blague ou la sûreté qu'on est. Mais mon père dit, la nom est notre bonne ensemble avec, et bien, moi, très des villes, ma télé, puis parle. Gen moun j'en ai mené ville. C'est pas pour ça qu'on ne fait pas. Lui-même, il a volé la tombe dans la porte là. Ou même pour tomber dans la porte là, il rampe pour arriver la donne. Ça dit qu'elle va dire même mode de vie avec vous. Nous ne pensons pas les mêmes gens. Nous ne pensons pas les mêmes gens. Et nous ne pouvons pas marcher ensemble tout. Ou un proverbe qui dit oiseaux de même plumage volent ensemble. Nous ne pouvons pas le même côté. Nous ne pouvons pas chahader. Vous comprenez? Tout ça, dans vigilance, non? Vous avez notre servi bon Dieu bien pauvre là. Pendant que vous êtes célibataire. Et puis, marié seulement. Vous sortez dans mon Dieu. Vous êtes marié mal, mon frère. Oh! Et c'est bouton, vous êtes marié en chameau. Et même pas de marcher ensemble. On va pas fonctionner ensemble. Faut faire très attention. Et tel qui doit être dans la même faculté avec eux. Nous devons être dans le lycée ensemble. Nous devons faire une classe ensemble. Mais tel pas gamin ou tel pas gamin dans nous. Nous devons chanter dans le même choral. Mais tel pas gamin dans nous, pas gamin ou nous. Oh, parce que la nommée de l'homme ensemble avec eux. Ou parce qu'il y a une classe ensemble. Je ne vais pas dire que c'est nous. Eh bien, dans le monde de vigilance, où elle fouille quoi, on peut pas le fouet. Et puis c'est garder, où elle va régresser. Elle va régresser dans mon Dieu. Au moins, on peut dire, la face de Dieu, on peut dire grâce, mon Dieu. Frère, il faut qu'on vigilant. Là, on dit vigilance, non? L'âge. Et si nous avons parlé de la vigilance matérielle, cela est à coucher nous dans la fille. En tant que soldat, il faut couvrir tout détail. Soit ignoré, c'est la dent l'ennemi à caler. C'est la dent, la coupe de prière. Vous devez faire une dent de cette prière. Et même 2-3 minutes de prière, on va faire encore. On va avoir l'inspiration, on va inspirer. On va avoir la parole encore. On va avoir un mot.
pour pratiquer la vigilance, mes frères. Donc, pile bagaille qui a vu sur nous pour distraire nous. Dans le monde, il y a pile bagaille pour distraire nous. Mais il faut que nous restions sous cadre nous. Il faut que nous connaissions sous champ de bataille. Et là, sous champ de bataille là, est mignon. Il y a des moyens de stratégie même. La ville a veillé pour distraire. Et la distraire au coup de là, ou si c'est pas une focus sur la bataille là. Et c'est comme ça qu'ils font un coup sous. Et dans le coup ça, au cas où on va mourir. Mais ça qui est une cicatrice dans où? Ou qu'on a perdu un membre? Dans quoi? Vous comprenez? Parce que lorsque ce soldat va gourmet, il faut que vous gourmet bien. Et que ça ait le périmètre de combat. Moi-même qui marie, je suis madame, je suis petit. Je suis en bataille pour quitter madame, je suis petit, madame. Bon, quoi, il n'y a pas qu'à bon moyen. Mais si nous nous vite dans madame, nous pas madame, nous pas fait thème. Et là, la fait thème pour nous avoir le cas où nous coin. Pour nous avoir marché sur moi. Parce que pendant ma bataille là, il faut que ma bataille, ni pour madame, ni pour visite là. Vous comprenez? C'est ça la vigilance. Est-ce que vous pensez que pendant que vous bataille, et vous oubliez Kaila, et vous pensez que vous avez bataille? Et puis pendant des heures là, on a et puis couvrir la caille, on dit c'est l'iné. Mais bien aimé, bataille à l'huit. Nous-mêmes, en tant que soldats, dans le Seigneur, nous besoin faire prudent. Et nous besoin faire prudent, oui. Parce que bataille là, c'est une bataille qui est simple. Quelqu'un qui pense, gourmet, sur le plan spirituel, son bagage simple. Bataille n'a pas simple, non, c'est pas chanter la prière seulement, non. Son bataille qui est compliqué, oui. Comment t'as fait comprendre? Où sont hommes ou visites? Ou une bataille avec un verset qui est visible? Malgré l'homme n'a plus de partie spirituelle dans lui, mais partie matérielle la plus que partie spirituelle qui est dans l'homme. Non? Ça fait la Bible à mandé nous. Faut que nous larguions nous pour cet esprit guider nous. Ça ne sert pas ça, dans marcher d'échec en échec. Quoi de verset de vous? L'Iwa ou pas, ouais. Kounia, sous-bagon, puissance en ou kawel tout. Il va beaucoup. Pas pour que prenne coup dans lui. Eh bien, nous besoin veiller. Pendant que nous combattons. Nous besoin veiller, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous besoin faire preuve de prudence, la vigilance. La Bible a raconté l'histoire dans 1 roi et chapitre 19. Comment que l'Éternel parlait avec le prophète Élie. Après Élie, il fait massacre, vous connaissez ce qu'il fait. Non, l'Éternel, pour l'Éternel, face avec les 450 prophètes Baal, Élie a le cachet. Caché dans quoi? L'Éternel parle à Élie, dit Élie, m'a passé visiter. Il dit, m'a passé visiter, ou a sorti pour une rencontre avec. Donc, on en est aussi, l'Éternel garde, c'est vite. Eh bien, pendant Élie dans le bois là, monsieur était dans le bois pour le vari. Vent, quoi pour le vari? Vent, quand passé, quoi wagon, quand passé. Texte a dit, c'est pas l'Éternel, non? Il n'est pas sorti. Ça fait l'or, c'est chrétien. Faut vous respirer les discernements. Sous ma respirer les discernements, ou à pas ta doigt la bouche, oui. Et il n'est pas sorti, non? Il y a un bon débat là-bas. Bon, deuxième bagage qui passe encore, son poids dans le monde. Il vibre terre, il vibre tout le monde là. L'Éternel va dans le tremblement de terre. Et il n'est pas sorti. Bon,
Bon, troisième bagaille qui passe encore, c'est un gros flamme qui fait. Vous connaissez l'éternel habitué à marcher dans le fait. Ça, l'éternel va nous dire ça. Et il va sortir. Bon, quatrième élément dans la suite va passer, c'est un vent doux et léger. Et il dit, ah, assurez-moi l'éternel là. Il s'est sorti à la rencontre de l'éternel. Oh, ce soldat, Kounia, parce qu'on nous dit bon, on dit Dieu même. Après, tu connais. Et il y a un calot tout dans le poté. Satan le diable, son risque lié. Oh oh. Ah, et pas, il passe pendant trois fois avant mon Dieu. Et il passe pendant trois fois avant mon Dieu. Mais Eli connaissait pas mon Dieu. Parce que Eli est content avec mon Dieu. Il est capable de discerner quand l'éternel est présent, mais quand il n'est pas là. Je dis à grand pile monde qui a souffert dans le lien sentimental. C'est dans le complot ça a eu. Bon Dieu a payé au madame, a payé au mari. Et il a passé devant la mari dans la collection. Je pense que c'est bon Dieu payé. Je couille à le prendre, je vais discerner. Ça, c'est pas bon Dieu qui vient à ça. Quand bon Dieu était pauvre tout. Les pauvres tout dit oui. On s'est dit Tchako. Et vous n'avez pas dit pour les bottes, on s'est dit Tchako. Vous pouvez dire bon Dieu. Si vous allez l'esprit de discernement, vous dites à mon cher, eh bien bon Dieu, c'est vous la petite Tchako à moi, mais ça, et pas pour ça que pas. Et bien, il y a plus de monde qui va dans le coup ça. En plus de monde qui va la donne. Si tout est mignon, la gare qui mange au remède. Parce que dans l'église, il y a plus l'église qui croit tout dans le devant pile. Mais moi, est-ce que l'église n'a plus croit dans le rêve que la Bible? C'est la parole de Dieu qu'on dit maintenant pour le faire tel bagage, il n'est pas fait. Là, il dormit le devant bagage, il a fait. Vraiment, il y a une bonne crasse dans le devant rêve. Et tel dormit le devant, c'est tel qui marie tel, c'est tel qui m'a dormi tel. De toi, il y a une fiançailles. Le tout second Dieu qui de toi il va passer, il y a une classe de chaque monde bon, ton est-elle passé dans le sud, est-elle passé dans le nord. Il faut pratiquer la vigilance. Son soldat, oui, frère. Il faut qu'on souffre. Si on pas d'accord pour souffrir par un soldat. Il faut nous vigilants. Ennemis, adversaires, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Eh bien, il a rôdé autour de nous. Il a cherché occasion pour lui dévorer nous. Il a cherché occasion pour lui mettre de l'eau dans le genou. Il a cherché occasion pour lui capable ruiner la vie nous. Pour le tâtonner nous. Pour faire nous perdre route salut nous. Pour faire nous perdre la présence de Dieu. Pour le dépouiller nous de la grâce de Dieu. Donc, frère Matéan, nous venons renouveler ça ensemble avec même Jacques avec l'apôtre Pierre. Dans la période par là, nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que soldats, pour nous faire preuve de la vigilance dans tout détail, dans toute vie retournée nous, dans toute montée et descente nous, parce que nous sommes en bataille, nous sommes en combat, en face de mon ennemi qui risque. C'est Satan le diable. Paul dit, Satan le diable l'a déguisé en œil de lumière pour lui faire des gars dans nous. Mais nous-mêmes, il faut que nous vigilons. Et bien aimé, mes frères et sœurs, nous avons quitté là. Il est déjà midi tapant. Que bon Dieu dans grâce li, que bon Dieu dans amour li, que bon Dieu dans compassion li. L'aide nous chaque qui là et même si là qui pas là matin à pour nous raison bien pour l'autre. Apprendre à détecter plan adversaire, apprendre à détecter risque ennemi pour nous pratiquer, pour nous vivre dans la vigilance, pour nous capable toujours rapporter la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est que l'on soit ainsi pour vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez vigilants. Votre ennemi, votre diable, a brodé autour de nous. Pour chercher le monde de dévorer. Nous n'avons pas gardé les mêmes. On ne pas dire les âmes qui pient puissantes que le diable utilise. En tout cas, nous disons découragement. Nous disons découragement. Non. L'âme, la plus puissante. Qui n'a même Satan, l'utiliser pour vaincre le monde,
c'est l'ignorance.